La grande finale PPF, suite et fin de ces quarts de finale en poule. Bienvenue à tous si vous nous rejoignez en direct de la base nature, l'espace CACO à Fréjus. On se régale avec vous depuis hier après-midi, 13h30. Et vous le voyez, on se retrouve pour une partie de barrage. Ce sera la dernière partie que nous filmerons eh bien, ce soir. Partie de barrage donc dans la poule des quarts de finale. Et quelle affiche! Et une affiche que je vais avoir le plaisir et l'honneur de partager avec Jean-Philippe Santucci. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour, bonsoir, Vincent. Bonsoir. Bonsoir Vincent, bonsoir à toutes et à tous. On est très heureux de t'accueillir. On était avec Robert Coste en début d'après-midi. Vous le savez, on donne la parole lors de cette grande finale à tous les organisateurs qui, eh bien, qui font partie du circuit et qui font vivre cette saison. Alors Jean-Philippe, toi malheureusement, comme notre ami Robert, tu n'as pas pu maintenir ton événement l'année dernière. On sait que la situation est compliquée pour tout le monde, mais ça fait partie des étapes incontournables, hein, Ajaccio, de notre circuit. Bah écoute, c'est gentil, oui, effectivement, hein, à cause de la situation sanitaire, on a dû botter en touche pour ouais. 2020, et on attend que l'horizon s'éclaircisse un petit peu pour voir ce qu'on pourra faire cette année. On est tous un petit peu dans ce cas, hein, malheureusement, à avoir du mal à prévoir un petit peu ce qui va pouvoir être fait ou pas dans les mois à venir. Mais voilà, si vous avez une étape aussi, vous avez prévu d'aller en Corse, eh bien, c'est une destination incontournable du circuit Passion Pétanque Française Internationale d'Ajaccio. Écoute, c'est gentil pour le compliment. Après, c'est normal. Et c'est sincère. Je vais essayer de ne pas être trop négatif au regard de ce qui risque de se passer en 2021, vu les superpositions de dates, vu c'est ça. Les complications qu'on nous a rajoutées cette année. Donc, je n'ai pas trop envie d'en parler là, puisque ça, c'est pas forcément le moment d'être négatif. Au contraire, on a un bel événement qui se déroule. Ouais. Voilà, je vais essayer de rester positif. On va regarder, on va se concentrer sur la partie. Et non, mais nous, on parlera pas des sujets qui fâchent. Voilà, mais nous, on tient absolument lors de cette grande finale à ce que vous soyez avec nous aux commentaires, parce qu'on sans vous, hein, le circuit PPF, eh bien, on pourrait pas faire grand-chose. Hein. C'est vous qui le faites vivre chaque année. Écoute, c'est gentil. Au travers de vos étapes. Et à travers tes propos, j'ai envie de dire qu'on mériterait un peu plus de considération de la part d'autres personnes aussi, vu le travail, l'engagement, la passion que chaque organisateur met. On est d'accord. Voilà. Pour les femmes, les hommes qui s'impliquent, qui travaillent, qui font que la pétanque existe, avance et se développe, je pense qu'aujourd'hui, il y a une grosse réflexion à avoir, un chemin commun à tracer. C'est pas forcément à l'ordre du jour, apparemment. Chez tout le monde et chez les organes décideurs, et il faut que ça change et il faut que ça évolue. Alors bon, on verra, écoute, il paraît qu'après cette situation Covid, le monde sera meilleur. Enfin, j'ai l'impression que c'est mal barré, mais bon, on va croiser les doigts. Ouais, c'est... Bon, il y avait une réunion importante cet après-midi à la Fédération, entre la Fédération et le ministère des Sports. On espère que ça aura débouché sur quelques décisions positives d'amélioration, d'adaptation à la situation. Voilà, on en saura plus dans les jours qui viennent. Ça fait quelques mois qu'il aurait fallu se préoccuper de sauver la pétanque dans cette situation compliquée. Alors bon, vaut mieux tard que jamais. J'espère que, comme tu dis, ça débouchera sur des choses positives. En attendant, on a un bel événement, magnifique, oui. La finale PPF avec des conditions sanitaires respectées par tout le monde, oui. C'est un événement où il y a un plateau de jeux exceptionnel et je pense qu'il y a eu beaucoup de polémiques sur les réseaux sociaux. On légèrement, essaie d'opposer oui. les mondes oui. à la masse, l'élite. Moi je pense qu'il y a la place pour tout le monde, il n'y a pas forcément lieu d'opposer les uns les autres. Là aujourd'hui il y a une compétition qui se déroule, il y a des gens qui se sont donné énormément de mal pour qu'elle puisse avoir lieu, pour qu'elle soit organisée malgré les contraintes. Qu'elle soit organisée dans de superbes conditions. Je pense qu'il faut respecter ce travail, il faut respecter les joueurs. Il n'y a pas besoin de crier au loup à chaque fois qu'il se passe quelque chose. Alors je trouve que c'est dommage. Après, où je rejoins l'ensemble des gens, c'est qu'on a besoin de perspectives positives, on a besoin de pouvoir se projeter sur un avenir meilleur, qu'on en puisse entrevoir le bout du tunnel, comme on dit. Mais voilà, là, il y a un événement qui se passe. Je pense qu'il faut respecter, il faut l'apprécier, parce qu'il y a des parties fantastiques depuis hier.
y a un travail énorme qui a été fourni. Et voilà, la ville de Fréjus qui s'est engagée sur ce processus, toute l'équipe du PPF qui a œuvré pour qu'elle ait les lieux. Là, il faut aller de l'avant. On est d'accord et on l'a répété hein, après à chaque retransmission, on l'a communiqué hein, longuement sur nos réseaux. C'est vraiment un événement de haut niveau et la sécurité et le protocole sanitaire est aussi de haut niveau. Hein. C'est vraiment une situation particulière mais qui nécessite des contrôles, des tests. Et tout a été vraiment respecté dans les meilleures conditions pour que on puisse avoir l'autorisation de réaliser ce bel événement. Et je crois que tout le monde joue le jeu et je trouve que tous les joueurs sont vraiment heureux d'être là, ils se sont pas vus depuis quelques temps et voilà, ils se plaisent à rejouer et à disputer cette belle compétition. C'est clair, je pense que tout le monde est content d'être là et je pense qu'il y a même des gens malgré tout qui sont contents de pouvoir vivre cet événement à travers tout le travail que vous faites sur la web et sur les réseaux sociaux, sur le site Passion Pétanque Française. Ça fait du bien, c'est un petit bol d'oxygène dans cette période difficile. Alors c'est sûr que la pétanque elle n'a pas forcément toute sa place aujourd'hui vu les enjeux qu'il y a hein. On parle de crise sanitaire, de crise économique, de crise morale de tous les Français. C'est difficile dans le monde entier, ça impacte tout le monde, c'est dur, on n'a pas de perspective positive. Alors un petit peu de pétanque, le fait de pouvoir tous se retrouver ici que ce soit en direct ou à travers les images de la web chez soi, ça franchement, ça fait du bien. Hein. Ouais, je pense. J'ai envie de dire merci à tous ceux qui ont fait que cet événement puisse avoir lieu. Merci à vous de nous faire vivre l'événement et de le faire vivre à tout le monde. Nous, on est ravis d'avoir pu le mettre sur pied et puis de le partager. Hein. C'est aussi ça, le sport, la pétanque, c'est partager avec le plus de monde. Et on réalise des scores d'audience absolument incroyables hein, sur Facebook depuis hier. Et voilà, on est ravis de vous proposer tout ça en direct. Je trouve que les joueurs se débrouillent pas mal aussi, hein, ouais. Malgré le... on avait un petit peu, alors on va pas dire peur, mais c'est vrai que c'est difficile à se remettre en route. Le rythme est un peu perdu, puisque ça fait des mois sans compétition. Et finalement, ils n'ont pas perdu grand-chose hein, depuis hier. Ouais, c'est ce qu'on peut voir, il y a eu des parties exceptionnelles. La partie d'avant, mon ami Philippe Pietre qui a baissé pavillon à 12 contre l'équipe du FIP de Dylan Rocher, et c'était une partie d'un niveau exceptionnel. Mmh. Ça se rendait coup pour coup, Mason Durk a tapé 3 ou 4 fois le bouchon dans la partie pour limiter les dégâts, et puis finalement, ils se sont inclinés sur le fil, c'était du très 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 haut niveau. C'était une poule assez incroyable, hein, cette poule des quarts de finale. Ouais, et d'ailleurs, le barrage, hein, c'est une partie de barrage là qu'on vous propose, donc ça veut dire que les deux équipes ont au moins perdu une partie. Et honnêtement, c'est presque la finale de la Marseillaise de cette année. Hein. 5 des 6 joueurs étaient en finale de la Marseillaise de cette année. Ça peut être une finale de toute compétition. Et ça n'est qu'une partie de barrage, on pourrait dire. Donc, c'est dire le niveau de cet événement. Et puis, comme tu le dis, c'est une partie de barrage. Donc, forcément, il y aura une des deux équipes qui sera éliminée. Et ça sera un petit peu une surprise. Mais bon, dans cette poule et dans cette compétition, on savait de toute façon qu'il y aurait des surprises, qu'il y aurait des chocs, qu'il y aurait un niveau exceptionnel. Et quand tu vois que l'équipe... Philippe Quintet, Philippe Suchot et Manu Lucien ont perdu d'entrée de jeu, les deux parties. Ouais. Ça, c'est à l'image du niveau PPF. Hein, c'est ça. Et là, la partie qui a démarré sur les chapeaux de roue, parce qu'on parle beaucoup là. On a loupé 2 mains. Et bon, je pense que les gens qui la regardent se sont plus concentrés sur les images que sur ce qu'on peut dire. Mais non, c'est pas vrai. Tout le monde t'écoute, Jean-Philippe. T'inquiète pas. Ils ont tort. Il vaut mieux regarder. Hein, mais non. Ça joue quand même exceptionnellement bien. Hein. Il faut dire, Jean-Philippe, que tu as participé à cette grande finale. Hein. Oui, j'ai eu la chance de participer à la compétition mixte. Dans la compétition parallèle en mixte, ouais. On avait marqué des points à Mondial Barbero. Oui. À Fréjus, chez notre ami Jean Casal. Et du coup, grâce à ces points-là, on a pu jouer avec Johan Firologne, qui est mon partenaire habituel depuis 10 ans, et sa copine Katia Renuc, qui avait marqué des points à Palavas.
Donc un plaisir, un régal. Tu as pu apprécier les terrains aussi. Les terrains offensifs. Ouais, c'est ça. Très beau terrain, très beau jeu. Hein, très offensif. Je pense que c'est des terrains où il faut bien tirer. Les pointeurs auront leur importance, bien évidemment. Et ils auront leur importance parce qu'ils détiendront certainement des bouts de clés aussi pour bonifier des mains. Et puis, si on engage mal, on met son équipe en difficulté. Mais c'est surtout des terrains où c'est les tireurs qui vont faire la différence. Allez, ben vous le voyez, ça se rend coup pour l'instant. Et dans cette poule, c'est donc l'équipe de Bruno Le Boursicot avec Damien Hureau et Julien Lamour qui s'est qualifié tout à fait. En gagnant les deux parties qui accèdent donc aux demi-finales. Ouais, on a filmé la première partie, hein, ils avaient gagné donc contre Dylan Rocher et ils ont produit un jeu assez incroyable, hein, tous les trois. Ouais, énorme. Première partie de très très haut niveau où l'équipe du FIP n'a pas trop maîtrisé, n'a pas joué à son niveau habituel. Mais c'est vrai qu'en face, ça a développé du jeu. Et la partie d'après, j'ai regardé la partie à Tchadourian contre Rocher. Allez, c'était. Ouais, Dylan, encore. C'était du coup pour coup. Hein. Ça se rendait carreau sur carreau. C'était exceptionnel. Un beau tir, ou quoi tu fais jouer, c'est bien. Allez, Dylan Rocher. Pas facile, pas faire des séries. C'est ce qui a fait un peu la différence, hein, tout à l'heure dans la partie face à Damien Hureau. Il faisait pas forcément, il tapait, mais il faisait juste des petites chiquettes, il faisait pas passer. Et donc il y avait toujours une ou deux boules d'écart. Et avec en face un Damien Hureau, Julien Lamour et Bruno Le Boursicot qui ont fait le plein. Ouais, plus de régularité. Ouais. Hein, plus de régularité, mais bon. Non, tu tapes. Tu fais même un beau tir, même un 80. Je sais pas, t'es belle, hein. T'es belle, c'est dur à gagner, tu le gagnes, c'est bien, mais bon. Ça va bien. Allez, c'est gagné pour Henri Lacroix. Ça va. Allez, Jean-Michel Puccinelli. C'est une confrontation 100% Fréjus International Pétanque, hein, cette partie de barrage. Pop. Super. Celui-là, il n'a pas bougé. Puisque Jean-Michel Puccinelli revient, hein, à Fréjus, après avoir passé quelques années du côté d'Arlan. En plus, je trouve qu'il forme vraiment une équipe avec Benji et Ludo. C'est très équilibré. C'est une équipe, voilà, exactement. Tu as la force tranquille, Ludo, qui imprègne le calme, la sérénité à ses partenaires qui ont beaucoup mûri, qui sont exceptionnellement forts. Et chacun bonifie l'autre avec ses qualités. Et c'est ce qu'on recherche, hein, c'est ce qu'on cherche avant tout dans une équipe. C'est des équilibres et pour le coup je trouve que là dans cette équipe ça fonctionne plutôt bien. Ouais, ils s'entendent très très bien. Quel mène de Jean-Michel. Bah allez, t'as trois boules. Là, il y a trois points par terre, une boule dans les mains de Ludo. Allez, main gauche, même pour, tu peux rentrer. Hein. T'en coupes un ou deux, c'est bien déjà. Ça peut faire cher. Ça peut sorties. Être, oui. Il va falloir qu'il vienne se mélanger un peu avec une boule. Il a choisi de jouer face à la poule qui est le plus près du bouchon. Ouais. C'est complètement décalé, hein, vous voyez dans le rond. Bravo, super. Allez, une boule très importante là pour Ludo Montoro. Il a pas réussi à se coller à la boule, non. Mais il a pas mis à l'endroit non plus le plus facile pour Ludo. Elle est derrière le but. Derrière le but. C'est vrai que ça perturbe toujours un peu, mais Ludo. Il en a vu d'autres. Ah oui, ces boules là importantes à tirer. Et voilà. Et voilà, la preuve en image. Magnifique. Alors. Ça devrait faire 4, hein, si on a bien compté. Ouais, c'est ça. Quel mène de la part des trois joueurs.
finalement le tir raté de Didal a été lourd de conséquences, hein. Ils ont perdu l'avantage sur cette boule manquée à peine derrière par Dylan et du coup ça a été sanctionné de suite par l'équipe. Une boule, juste une boule d'écart et finalement 4 points, ça fait cher hein, quand même. Ah bien sûr. Quatre à trois pour l'équipe de Ludo et une boule qui. Dernière boule tirée à la perfection. Ouais. D'ailleurs la première partie des poules contre Achadourien, il a fini lui sur deux carreaux pour gagner et sans. Pas Ludo, hein, c'est on le voit tous comme un pointeur, mais honnêtement. Il a souvent pas beaucoup de boules à tirer, des boules importantes, mais il est toujours au rendez-vous. Tu fais un beau palais, toi, tu peux accrocher la marque encore. C'est sûr qu'après, ils ont bien tiré, mais tu exposes quand même. Et Ludo, c'est un joueur qui a fait une demi-finale du championnat de France tête à tête et qui, je pense, aujourd'hui n'est pas en reste, même en ce qui concerne son tir. Hein. Alors, il fait le pointeur, bien évidemment, puisqu'il est dans une équipe de très haut niveau. C'est comme Stéphane avec Dylan et Henri, un petit peu. Et voilà, on est encore un petit peu dans la même situation. Hein. Dylan Rocher qui a fait de la place, mais qui n'a pas fait passer. Alors, ça joue pas spécialement loin. Mm. J'ai envie de dire que 7m50. Oui, c'est ça, ouais. Donc c'est sûr que c'est parti sur des bases très offensives, hein. Il n'y a pas trop d'hésitation. Dès qu'une équipe a la boule d'avance, se lance au tir. Hein. Alors l'autre partie de barrage hein, de l'autre poule oppose Simon Cortès, Frédéric Bauer et Philippe Ziegler à Pierre Nallet, Christian Fasino et Diego Rizzi. On vous donnera l'évolution du score. Pour l'instant, c'est 3-0 pour Simon Cortès. Ah, une équipe de Simon Cortès composée de Philippe Ziegler et Fred Bauer. Alors, Philippe Ziegler a remplacé au dernier moment un joueur de ton club. José Mourat, qui a eu des soucis de santé, rien de grave, mais qui l'ont forcément empêché de pouvoir. Bon, on lui fait un petit coucou à ici. C'est l'occasion José. De lui faire un petit coucou, oui. De lui souhaiter un bon rétablissement et de revenir au plus tôt, dès qu'on le pourra, sur les terrains de pétanque. Ouais. Vainqueur à Ruons cette année, José Mourati. Celle-là, elle sera pas trop mal. Hein. Ouais, c'est jamais des boules faciles à tirer. Ils font toujours un peu peur, ouais. Le bouchon qui passait devant la boule, ça gêne toujours la mire. Oh. Après, ça gêne plus certains que d'autres. Ou pas, voilà. ou pas. Nous, ça nous aurait gêné, c'est sûr. Ouais. Mais. Donc encore une équipe, La Croix, Rocher et Robineau qui subit le jeu de ses adversaires. Après un bon démarrage 3-0 et une certaine maîtrise, là ils sont. C'est ça, c'est. Un petit peu les. Demain on peut les tuer. Ouais, voilà. Ouais, mais. Allez, Jean-Michel, pour continuer cette. Ah oui, ça peut encore faire une belle main hein, si ça va jusqu'au bout. Ouais, ah là 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 là. Et en fait, oui, c'est difficile parce que il faut jamais rater. Il faut pas manquer une rate, c'est ça, c'est ça. La situation s'inverse. Allez, qu'est-ce qu'il va nous faire Ludo pour la dernière boule de son équipe? Ouais, je pense qu'il va pointer en direction de la boule. Ouais.
pour gêner un petit peu. Pour gêner le tir éventuel de son adversaire. Toujours un exercice particulier de pointer face à une boule sans faire ouais, c'est ça. Faisant fi du bouchon. Tout c'est... en prenant le point, il faut. Nécessite une certaine maîtrise. Et eh ben c'est pas trop mal. Hein. Je pense qu'il aurait préféré se mettre un peu plus en contre, mais bon, elle est. Allez, boule de marque hein, pour Dylan Rocher. Et ben voilà. Égalisation. 4 partout. Ouais. Ah ben ça se joue à une boule chiquée de chaque côté, la différence. Hein, donc C'est même pas qu'elle soit manquée, c'est que. Non, c'est ça. En ne faisant pas passer, on perd l'avantage et du coup on s'expose à la force de frappe adverse. La partie à laquelle on va assister, ça va être du haut niveau. 4 partout au début de cette cinquième main. Vous êtes. Près de 4500 hein, à nous avoir rejoints sur le live. Vous savez que vous pouvez nous laisser vos commentaires. Ouais. Et puis on fait un petit coucou à David Riviera qui était présent hier, qui nous suit sur la Web TV, présent avec l'équipe de Mickaël Bonetto et Jérémy Fernandez. Beaucoup de messages de Corse et le petit Lili Bracogne que j'embrasse, qui est un petit jeune de Haute-Corse qui est passionné et qui joue là, qui nous fait un petit coucou. Alors un gros bisou Lili et tu sais qu'on pense beaucoup à toi mon petit. Ouais, il y a vraiment beaucoup de monde hein, qui nous envoie des messages. Alors il y en a des gentils, il y en a des un peu moins gentils, mais ouais. Bon. Après le but, c'est pas forcément d'être tout le temps gentil. Hein. Non, ce serait bien, c'est d'être constructif, on va dire. Mais voilà. Pas forcément tout le temps le cas non plus. Non. Après qu'il soit. Ouais. Après, vous savez, il y a eu un petit incident hier qui concernait d'ailleurs l'équipe de David Riviera. Voilà, on a communiqué hein, sur l'incident. Donc, si vous voulez avoir toutes les infos sur ce qui s'est passé, c'est sur notre page Facebook. Voilà, vous avez un communiqué officiel de la direction de PPF. Et on en restera là. Ouais, je pense qu'il faut positiver. Ouais. Il faut parler de ce qui est positif, il faut parler de ce qu'on voit, des carreaux, des bouchons, du beau. C'est ça. Voilà, après, en tout cas, nous. Faut pas le cacher, faut l'assumer, il n'y a pas de souci. Mais bon, après, il ne faut pas non plus en faire tout un roman. Exactement, donc on vous en a informé, mais maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est vous montrer voilà, c'est ce qui se passe. C'est ce qu'on veut vous montrer, voilà, c'est ce que vient de faire Dylan Rocher. Merde. On nous regarde alors voilà, on a des messages de Mayotte, de Pologne, on nous regarde pas qu'en France hein, donc voilà, on sait que vous aimez. C'est parti. Un point pas facile à reprendre pour Ludo. Même s'il le fait avec beaucoup de facilité, mais c'est des terrains qui au point n'assurent pas forcément une garantie totale, parce qu'il y a des endroits où il y a très peu de gravillons et des fois il y a des impacts où on entend d'ailleurs au bruit. C'est ça, il y a des petites plaques hein, qu'on voit pas forcément. Allez, Dylan. Et le terrain est un petit peu bombé, hein. Ça se voit pas forcément sur les images, mais il est un petit peu bombé au centre. Bravo. Alors, il paraît comme ça uniforme, facile à pointer, mais des fois il y a quelques surprises et on a vu des boules qui paraissaient bien jouées et filer assez loin du bouchon. Donc là pour le coup c'est l'inverse. L'équipe Rocher qui maîtrise la main. Qui a repris les devants. Tiens, t'as un bonjour de Médéric Verzo aussi, Jean-Philippe. Coucou. Médéric, j'ai eu la chance de rencontrer lors du premier international d'Ajaccio en 2014. Il jouait sous les couleurs de l'équipe de France Espoir et on avait fait connaissance à cette occasion.
coup. Allez, pour Agnès. J'aime de rien. Allez, Henri. Allez, Riton. Allez, continue. Les boules, pas facile à tirer pour Henri. Elle est en contre au bouchon, en contre à la boule derrière de Dylan. Et voilà. Donc, ça prend ça. La main, elle est beaucoup très bien tirée, mais contre. Ah oui. Contre au premier carreau de Dylan, donc il y a un point par terre. Ça met des belles boules à tirer. Ça va ou pas? Ça va. Ça va le point. Ça pas le point, c'est boule à boule. Une boule dans les mains de l'équipe, enfin de Benji Renault. Et une boule dans la main d'Henri, une boule dans la main de Stéphane Robineau. On a connu pire. Normalement. Moi, ils en avaient deux par terre normalement. C'est contre sec là. Oh. Allez, force. Restez allez, court. Mon allez, un petit effort. Donc ça allez, va Henri, permettre allez, Henri. À l'équipe Lacroix de tenter allez, une belle main. Oui. Donc il va tirer à deux. Il va déjà tirer à deux. Et ensuite, Roby aura encore une boule. Ça peut faire cher. Allez, la boule de droite. Oh, c'est pas mal. Alors il a tapé la bonne pour deux et il a contré à la boule une autre boule de l'équipe Puccini. Donc je pense qu'il y a deux points par terre et une certaine marge pour mettre le troisième. Il va peut-être même jouer en direction du bouchon s'il arrive à le faire avancer d'une dizaine de centimètres. Il peut faire compter la deuxième boule d'en Ouais. Je pense qu'il va jouer à hauteur de la boule de Benji. Vous voyez un 50 avant la tirée. Non, il a assuré. S'il n'a pas contre, peut-être pas. Donc ça fait 3 points. Et on a franchi la mi-partie pour l'équipe Rocher. 7-4. Donc oui, hein, on disait que l'équipe Puccini il avait pris la mesure de la partie, 4-7. Mais en deux boules tapées mais qui ne sont pas passées, c'est l'équipe Rocher en a profité à merveille pour reprendre le commandement. C'est pas. On dira qu'on se rend coup pour coup. Le tien n'avait pas mis encore. Hein. Il était pareil, il était pas. Allez, début de la sixième main. Allez, petit Ben. Allez, vieux, continue là. Allez, c'est reparti. Donc Benji au tir. Et voilà, c'est carré. Petit palais. Qui a bouché un truc qui paraît être en face du palais de Benji. Donc plutôt sur la gauche. C'est là qu'on voit qu'il y a pas même quand le point paraît facile à gagner, il y a quand même une réflexion qui est faite par les joueurs pour essayer de le gagner à l'endroit où il faut. Là je pense qu'il l'a mis exactement où il voulait. Hein. Voilà, je pense aussi. Bien en face de la boule. Tout en assurant quand même le fait de gagner le point, bien évidemment, mais voilà. On pourrait imaginer le jouer face au but, jouer tranquille, sans poser de questions. C'est ça. C'est aussi la petite différence hein, ce qui fait un peu le plus de ces équipes. Ça, exactement. Et c'est des choses vachement importantes. Après, la réalisation, c'est toujours difficile de vouloir faire ce qu'on veut, mais il y a une intention qui montre clairement qu'on ne veut pas mettre les boules au hasard et qu'on veut mettre en difficulté dès comme on le peut le tireur adverse. Alors là, alors ça bouge un petit peu sur les côtés. Benji, on le sait, il a besoin d'être bien concentré. Ouais, mais il a cette capacité à se reprendre, à rester concentré. On l'a vu à la Marseillaise dans les moments importants. Il était casquette. Est-ce qu'il l'a fait passer ou pas? On dirait pas. Hein.
pas fait passer. Je pense que Ludo va jouer en direction du bouchon, en espérant peut-être le toucher un petit peu pour faire compter son autre bout. Choisi de jouer face au boule. Ah, comme Stéphane Romino. Allez, Dylan, encore. Allez, dis. Pour Dylan, en boucher, ça devrait passer sans contre. Voilà. Bravo, bien. Parfait. Et encore une main à l'avantage des maillots noirs. Hein. Ah oui, la casquette de Ben. C'est ça. La boule n'est pas. On fait un tour de plus, garder la maîtrise de la main, mais ouais, par les doigts. Ouais. Ah, puis elle aime bien tirer aussi. Hein. Pas trop forte, moi, c'est Nadège là. Nadège. Ah, elle est vraiment forte. Ah, ouais. Allez, fils, encore. Ouais. Ah, Dylan encore. Donc il a gagné le point. Ouais, de l'autre côté. Il a justement essayé de jouer un peu plus face au bouchon. Oh, c'est tapé. Ça va suffire. C'est tapé. Ça continue de faire jouer, de garder l'avantage. Allez, deux boules à deux hein, dans cette sixième main. Ouais, il a joué face au but. Oh oui. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Par contre, je pense qu'il a perdu le point. Ah oui. Ah, il n'y va qu'une fois par semaine. Mais Il a choisi de jouer droit au but, ce qui, à mon avis, était le jeu. Hein, parce qu'en touchant le bouchon de 10 cm, il faisait deux points. Mais voilà, après... La boule s'est en allée un peu plus loin et peut-être que la frappe était un peu plus dure que ce qu'il pensait. Alors est-ce qu'il va... Allez, là c'est gagné. C'est gagné, mais bon. Mais oui, ça peut être encore une grosse main pour les maillots noirs. Donc ça fait déjà 7-4, ça peut faire un... Il tire au point déjà et puis après... Premier break. Ouais, ouais. C'est juste poussé, mais je pense que ça doit suffire, ouais. Ça doit suffire pour faire. Ça devrait faire deux, hein. On va faire deux. Eh bien, deux points de plus pour l'équipe de Dylan Rocher qui prend maintenant 5 longueurs d'avance. Ça me rappelle quelque chose. Face à l'équipe de Jean-Michel Puccinelli. 9-4 à l'entame de la 7ème main. Un premier bon petit écart dans cette partie de barrage. Je vous rappelle que ce sont les quarts de finale qui se disputent en poule à la grande finale PPF et on est dans la partie de barrage. Ce sera la dernière partie qu'on vous proposera aujourd'hui. Il y aura ensuite les demi-finales du triplet mixte que vous suivrez sur les réseaux sociaux. Pas de diffusion, mais vous suivrez ça, les résultats, sur notre page Facebook. Et puis demain, on se retrouvera pour les demi-finales de la compétition féminine. Rendez-vous à partir de 9h sur la web TV PPF. Et en parallèle, il y aura les demi-finales masculines et les trois finales capté par la chaîne L'Équipe et vous suivrez tout ça tranquillement chez vous dans les semaines à venir.
Allez. J'arrête pas de recevoir des messages, je me fais chambrer par tout le monde. Et pourquoi? Il te trouve forcément bon. Ah, je sais Philippe. Pas comment il me trouve, mais il se moque. Ah. Alors bon, je vais quand même pas profiter du micro pour me venger. C'est parce que tu connais tellement de monde. Il y a des petits coquins, hein. Ils sont moqueurs, hein. Ils profitent. Et bien là, encore une main qui attaque c'est ça. Un petit peu on comme a souvent les mêmes, les dernières. Hein. C'est ça, on a les mêmes physionomies de main, souvent. Mais le problème, c'est que c'est encore dans le même sens, là. Oui, oui, oui. Encore une main que vont subir l'équipe, ouais. L'équipe Benji. Allez, fils. Allez, continue. Allez, fils. Allez, continue. Allez, Dylan. Allez, ça dépend les frappes. Ouais, moi aussi. Ça dépend la frappe. Super. Ah, si en plus Dylan, oui. Bravo. La partie d'avant, il a quand même, je ne sais pas s'il a raté une boule, il a tiré double à toutes les mains et sur les 4-5 dernières mains, il a enchaîné les carreaux. Hein. Mm. Donc, je l'ai trouvé, je trouvais qu'il y avait une grosse montée en puissance dans son niveau et là, il confirme, hein, il a fait une petite boule sautée au début et là, depuis, c'est assez régulier. Allez, encore. Allez, dis, régale-toi encore. Allez, fils. Allez, Dylan. Alors, on a pas mal de commentaires hein, pour nous dire que c'est dommage que les finales ne soient pas diffusées en direct. On est d'accord avec vous, mais vous aurez tout ça rapidement. Hein. La chaîne Super. L'équipe va diffuser tout ça rapidement. C'est pas encore tout à fait décidé pour les dates de diffusion, mais bien sûr, vous en serez informé avec... Toute la qualité hein, de diffusion, de retransmission, de production des équipes de la chaîne L'Équipe. Donc vous vous régalerez quoi qu'il arrive. Arrêtons. Allez, continue. Allez, Henri. Allez, continue, Henri. Non, mais la croix qui continue de tirer pour... Il défend 3 points. Hein. Les 3 boules que vous voyez sur la droite, là, c'est les 3 premières boules. Bravo. Voilà, mais ça fait 4 par terre. Bravo. Attention, hein, parce qu'on est dans une main de gagne. Hein. Bravo. Je vois Benji qui va au rond. Oui, donc, je pense que c'est le bouchon. On hein. Pas se laisser faire. Hein. Mais ils ont qu'une boule hein, pour le sortir. Ah, je pense que si, même Jean-Michel pourrait éviter de perdre en le tapant à la seconde. Oui, mais aussi. Bon, c'est toujours mieux de taper maintenant. Et voilà, la superbe. C'est fait. Il n'a pas hésité. Hein. Il a été au rond. Et je pense qu'ils avaient même établi la stratégie avant le tir d'Henri. Hein. Si Henri fait carreau, on va tirer au but et Benji est parti en courant le tirer et l'a tiré à la perfection. Donc ça continue, hein. c'est pas pour nous déplaire. Hein. Ah non, au contraire. Et puis ça peut-être les remettre. On a vu des parties, on a diffusé des parties hier où il y a eu un petit fait de jeu. Enfin, c'est pas un fait de jeu, hein. c'est super bien joué, mais voilà, ça peut remettre en confiance et repartir dans les équipes qui étaient un petit peu. C'est pas qu'ils jouent mal, hein, mais voilà, ils sont un petit peu en retard à chaque fois. Et ça peut permettre de booster un petit peu les trois joueurs. C'est clair, c'est clair. Ouais, il en a pas avant, là, en plus, il y a eu un mauvais envoi de bouchon. Et, ouais. Et donc l'équipe Jean-Michel qui a décidé de le mettre relativement près. Donc ouais, peut-être un premier tournant de partie. Bon, après, en face, ça, c'est quand même solide. Hein. Il en faut un petit peu plus pour les déstabiliser. Dans la partie d'avant, mais c'est dur qu'il a tapé 3 ou 4 fois c'est le ça. Bouchon. Ouais. Et bon, malgré tout... Je pense que c'est un choix tactique. Hein. Il a tiré de rafle de rafle à la première. C'est original. Il amène là, ma boule est pas mal. Ouais, c'est ce qu'il confirme en plus dans son commentaire micro. Donc il a vraiment voulu faire ça. Quelle règle de merde. Donc là, l'équipe
Mon taureau qui est assez embêté quand même, hein. Il ne s'attendait pas forcément à ça, donc il est en train de réfléchir ou mettre la boule. Ludo pointe, bon, point de Ludo est un mètre sur la à droite, donc ça va. C'est ça, tu me dis joue là, mais s'il fait pareil qu'il fait de touche. Hein pareil, non. Et voilà. Et voilà, donc là maintenant il va falloir forcément jouer un peu plus près du bouchon. Le périmètre pour gagner le point se réduit fortement d'un coup. Allez fils, allez continue. Voilà, donc là Ludo qui a gagné très bon, donc Dylan qui va tirer et qui a la possibilité de renverser la main en faisant un beau tir. Bravo. Ouais, ben voilà. C'est pas un beau tir, c'est un tir exceptionnel ça. Tire à quoi ? À boule ? Ah voilà. On vous le repropose. Allez Jean-Michel. Donc là il va y avoir une contre-attaque. Hein, c'est... Et oui. Je pense qu'ils auraient pu faire le choix de tirer sur le premier carreau de Dylan. Il y aurait eu plus de place pour cadrer. Il y avait, ça, avait 3 mètres pour cadrer, alors que là, il n'y a plus qu'un mètre. Bon, ben. Et ben voilà, on y retourne. On y repart. On y repart. Il a deux boules hein, cette fois pour le faire. Il est vraiment précis avec son tir fort quand même. C'est rare. Voilà. Oh, fantastique. Ah, il a pas chiqué. Hein. Non, il est parti. Je sais même pas si on va le retrouver pas, là. Je sais pas. Je sais pas où il est parti. Non, là. Allez, on vous le remontre. Chic, machin, si je ouais, il était à plein bois, hein, comme on dit. Après, lui, s'il fait pas aller sur donc, ouais, là, on n'est pas sûr. Je vous crois pas à moi. Hein si, on en a retrouvé un autre. Je sais pas si c'est celui-là, mais. Il lui ressemble en tout cas. Si c'est ouais. Pas lui, c'est son frère. C'est ça. Les buts fournis par Anaom Immobilier, hein. Bien sûr partenaire principal de la grande finale PPF et du PPF Tour depuis de nombreuses années maintenant. Et Pierre Nallet qui a offert tous les buts de la compétition. Et du coup, où ils en sont dans leur partie de barrage? Alors, Pierre Nallet, ils sont menés donc 4-1 par Simon Cortès, Fred Bauer et Philippe Ziegler. Ça avance doucement hein, sur l'autre partie de barrage. Qui a démarré exactement en même temps, mais 4-1 simplement pour l'instant. Ouais, ben deuxième tape au bouchon de Benji. En fait, cette première boule de Stéphane Robineau a déstabilisé un peu l'équipe Puccinelli, puisqu'ils ne savaient plus où mettre des boules. Ils ont mis le point à mettre sur le côté, ils se sont pris un carreau. Je pense qu'ils auraient pu, à cette occasion, contre-attaquer. Ils ont choisi de repointer et du coup, Ludo a été obligé de faire un bon point. Il s'est repris un carreau et là, du coup, la situation s'est compliquée d'un coup, puisque sur le tir de Jean-Michel, en ne faisant pas passer, ils étaient quasiment contraints de retourner au but. Alors là, on a opéré un changement. Hein. C'est Jean-Michel Puccinelli qui passe au poste de tireur. Pour laisser les boules pour le but à Benji, hein, je pense, éventuellement. Ouais, puis je pense que ça... Il faut tenter quelque chose, hein, de toute façon. Benji n'a pas forcément eu un rendement exceptionnel au tir, si ce n'est sur les bouchons, bien entendu. Donc, à un moment donné, il faut changer quelque chose. Hein, et je pense que c'est aussi la force de cette équipe. Hein, il n'y a pas beaucoup d'erreurs au niveau stratégie, au niveau tactique. Ça s'entend bien, ça combine, ça discute. On sent qu'il y a une âme dans cette équipe. Hein, ouais, et tout à fait. Et au-delà de la force individuelle des trois joueurs, il y a quand même aussi ça qui fait qu'on gagne des parties qu'on n'aurait peut-être pas pu gagner, qu'au final on gagne des grosses compétitions, des grandes compétitions. Et c'est ce qu'on peut retrouver chez peu d'équipes malheureusement, hein, parce que quel que soit le niveau qu'on a aujourd'hui à la pétanque, rien ne nous empêche de former une équipe. Tout à fait.
Et bien voilà, ça, bien lui... ça va leur faire du bien ça. Bah, ils ont palais de Jean-Michel. Ils ont réussi une année 2020 assez incroyable, hein, ces trois joueurs, puisque... Alors deux des trois, pas Jean-Michel Puccinelli, mais Ludo Montoro et Benji Renault ont remporté la finale PPF l'année dernière. Donc il y a tout juste un an. Après, bon, la saison a été un petit peu tronquée, mais ils ont quand même remporté la Coupe de France des clubs avec le FIP. Et un mois auparavant, c'était la Marseillaise. Donc une année 2020 où ils ont remporté la quasi-totalité des grandes compétitions qui ont pu se dérouler. Ouais, c'est pas mal. Hein. Ouais. Et Ludo Montoro qui est devenu le seul recordman du nombre de victoires en Coupe de France des clubs avec 8 titres. Donc c'est dire. Ludo, c'est un petit peu un exemple qui devrait être pris un peu plus souvent parce que c'est un peu comme dans tous les sports. Hein. On en a pour au football, on regarde les attaquants. Bien sûr. Au boule, on regarde les tireurs. C'est ça. Quand on regarde la progression, le talent. Le niveau qu'aujourd'hui a atteint Ludo devrait servir d'exemple à beaucoup de gens parce que au tir on a des qualités naturelles qui sont difficiles à compenser par le travail. Par contre, au point on peut toujours progresser, on peut toujours s'améliorer, on peut toujours aller de l'avant, on peut toujours essayer de constituer une équipe justement où on trouve les équilibres qui nous permettent de gagner des parties. Un jour je me souviens de Marco Foyo qui faisait une analyse et qui disait que les équipes elles se regardent au nombre de parties gagnées 13 à 12 ou au nombre de parties perdues 13 à 12. Et c'est là où on voit vraiment si on a réussi à forger une équipe. Alors, il y a beaucoup de vérité dans ce qui était dit, mais on pourrait rajouter qu'une équipe, ça va gagner une compétition, mais qu'à l'intérieur de cette compétition, il y aura toujours une partie où elle aura été en difficulté. Et c'est sa capacité justement à gagner cette partie-là qui... fait que derrière elle enchaîne un résultat exceptionnel. Alors que si on n'avait pas trouvé les moyens de gagner cette partie difficile, ben, finalement on gagne pas grand chose. Et je pense que Ludo a cette capacité, cette force à faire bien jouer ses partenaires, à constamment garder les équilibres dans les équipes et avec l'expérience, avec le temps, avec la patience, avec la passion, il a atteint un niveau de jeu excellent. Dommage. Voilà, donc là ils sont bien hein, dans ce domaine, 3 boules à 1. Le changement s'est avéré. C'est vrai. Gagnant. Pour vraiment, on l'a vu hein, dans plusieurs parties où voilà, il y a eu un but sorti, un petit déclic. Après, on a tourné dans l'équipe et ils sont repartis. Mais de toute façon, quand ça va pas trop bien, il faut pas hésiter à changer. On garde pas forcément notre étiquette de tireur, de pointeur ou de milieu jusqu'à jusqu'à la fin de la partie. Allez Ben, a fait marquer déjà. Donc là une boule déjà de marque pour Benji et il restera deux boules après dans les mains de Ludo. Ouais, c'est la sorte, en gagnant déjà. En gagnant et voilà. Oh là. Et ça va faire minimum 4 points. Alors je sais pas s'ils vont décider parce qu'ils tirent à 6 au carreau. Et c'est quand même. Ça, ouais. Il y a des boules que. Si vous voyez tout hein, sur l'écran, vous voyez toutes les boules qui sont dans le jeu. En fait, on va les écouter. Il y a deux points par terre. La boule que vous voyez en troisième position, c'est la boule de l'équipe Dylan Rocher. Et les deux boules que vous voyez écartées du bouchon, elles appartiennent à l'équipe Puccinelli. Ludo qui est plutôt. Voilà, je pense que Ludo, la force tranquille, hein, il a dit en pointant, on en fait 4 assez tranquillement, on va dire. Je ne sais pas s'il a tranché dans son choix. Il a dit qu'il allait pointer la première. Ouais, on va voir. Ah oui, il a deux boules, tu peux rien dire. Mais... Alors, c'est sûr qu'en pointant la première, il en assurera 3 et il arrivera à 7, ce qui n'est jamais hein, désagréable d'arriver à 7 quand on... C'est clair. Puisqu'on peut par la suite imaginer gagner. Et après, il aura... Non, je sais pas. C'est Ludo qui détient la réponse. Puisqu'évidemment, s'il tire la première et qu'il vient à manquer, il allait tirer la seconde. Alors là, il a peut-être choisi de tirer la première, de pointer la première pour assurer 3 points. La sortie, c'est qu'il n'y a pas... Et de réfléchir derrière à voir s'il veut prendre le risque pour faire quelques points de plus. Alors, vous le voyez, on s'arrête puisque Fangio Brio était en train de tirer sur le jeu d'à côté. C'est ça ? Fangio Brio qui mène 12 à 2 hein, face à Anna Maillard dans sa partie de barrage. Et là, je crois qu'il va tirer. Hein. C'est bizarre quand même. Je
crois qu'il va tirer. Voilà, là, c'est encore. Tu vois, moi, j'adore ça. C'est quand même tactiquement, c'est quand même des choix qui sont, ouais. Voilà, qui peuvent être bons, mauvais, peu importe. Mais il y a une forme d'intelligence, de réflexion, de calme. Allez. Là, c'est pas droit. C'est pas droit. Ouais, on l'a vu en l'air. C'est pas droit. Et ben, ça fera 3 points quand même. Hein. Après, moi, j'aurais fait exactement la même chose que lui. Ouais, après, il faut. Parce qu'en tirant sa première, s'il venait à la manquer comme il vient de le faire, il aurait pu tirer sa seconde, mais à ce moment-là, elle avait une importance qui devenait quasi, ouais, ouais, quasi capitale pour bonifier cette main et arriver au score de qui puisse laisser entrevoir une gagne. Alors qu'en pointant sa première et en prenant le temps de la réflexion, il a décidé, parce que je pense que contre des équipes comme Rocher, Robineau et Lacroix, 2 points de plus, c'est important. C'est quand même assez important. C'est clair. Donc 9-7 et un bouchon qui est pas très loin encore. Hein. Ouais, il y a 8 mètres. Allez Dylan, continue. Allez Dylan. Bravo, super. Bien tiré. Quelle partie de barrage, hein, vraiment. Bien, bien. Et Ludo qui s'en veut encore d'avoir manqué cette boule. Allez, fils. Allez, continue. Allez, Dylan, continue. Ah, il y a un petit carreau. Super, bien tiré. Ça c'est deux jolis carreaux, hein, de Dylan Rocher là. Oui. Alors là, je sais pas. Je sais pas trop ce qu'ils ont choisi de faire. Compliqué, hein. Compliqué, tu peux. En pointer en espérant venir en bouchonner ou se mélanger avec la boule. C'est ça, ou. Après, on peut aussi tirer parce que l'adversaire est en 9. On imagine que c'est eux qui déclenchent le tir. S'ils en tapent 3, ils perdent plus. Et s'ils en tapent 4, alors voilà, c'est ce qu'on disait. Ouais. Ouais, mais en continuant de pointer, tu continues de t'exposer. Après, c'est bon. Ça, bon. Après, c'est toujours pareil. Allez, hein. C'est bien joué, la tienne. On peut discuter 100 ans de la stratégie. Quand on tire et qu'on fait un carreau, c'est toujours le jeu de tirer. Et quand on tire et qu'on manque, faut bien faire jeu, ce qu'on a décidé. Ouais, voilà, c'est ça, on est d'accord. Voilà, ils auraient... temps, chacun peut avoir, ils auraient pu tirer aussi puisqu'il y a le but qui était un petit peu devant, donc en étant un peu court, ça aurait pu aussi. Bon, ils ont décidé. Aïe 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 aïe. Ah. Alors là, il est utilisé. Ouais, je sais pas. Ouais, plutôt coup, tirer les boules, ils ont 9, hein, ils ont pas 11 ou 12, donc en tapant 3 coups sur 4, on ne perdait plus là. Là pour le coup. On verra bien. Ah, mais du coup, il a tapé la boule, il a fait le point. Il est bien tiré, quoi. Ah non, le même pas le point, c'est le premier carreau de Dylan. Il a juste au poisson. Après, ils sont morts. Allez, il faut y retourner. Et voilà. Aïe, aïe, aïe. Et après, à un moment donné, bon. Malgré toute l'adresse qu'on peut avoir, un bouchon. Là, on l'attrape pas à chaque fois, hein. Voilà. Là, ça se complique. Hein. Dernière boule. Je sais pas ce qu'il fait. Il tire la boule. Il tire une boule, ouais, ça casse un point. Il tire la boule, il en a deux. Donc, ouais, mais s'ils les mettent, ils ont gagné. Il y a 4 boules, c'est ça, pour terminer. Et le jeu est quand même assez ouvert. Mais après, je. Ouais, c'était un petit peu. Un petit peu la même main que la main où.
où Benji avait tapé le bouchon qu'il avait envoyé dans la tribune. Et on aurait pu tirer les boules et en les tapant, on ne perdait pas. Ils ont choisi de pointer, ils se sont exposés et derrière, ils ont pris leur responsabilité en tirant le bouchon. Ça s'est plutôt bien passé. Et là, cette main, pour le coup, ça s'est pas bien passé. Alors celui-là, il y est. Allez, 10 par terre, 3 boules encore à jouer. Ouais, c'est va être difficile pour l'équipe Puccini de s'en sortir. Je pense que là quand même, ouais, bon, c'est jamais terminé, mais ouais. Bon. Drôle de frappe, ouais, t'as vu la frappe? Ça paraît... C'est la frappe, je vais pouvoir aller trop loin. C'est écarté. Ça paraît plutôt bien parti. Ah, rien encore. Pour les doubles vainqueurs hein, de cette grande finale PPF. Bon, c'est pas grave, on va pas faire que des carreaux tout le temps. Ça fait 3. Allez, encore. Boule de match. Allez, arrêtons encore. Un petit effort. Et voilà. Et ouais. C'est ça hein, qui fait aussi la différence, c'est que ces équipes-là, il faut pas manquer de boules. Hein, il faut. Ouais, la main d'avant, Ludo tire une boule à 6. C'est ça. S'il la tape, il passe devant au score et ça aurait pu être lourd de conséquences. Le fait de l'avoir manqué, bon. Ça ne voulait pas dire non plus qu'ils allaient perdre la main d'après, mais bon, mauvais départ, un choix qui a été dans un sens un peu osé, alors qu'ils avaient 4 boules en main pour enlever la gagne. Enfin, pour essayer, après c'est toujours pareil, hein, on va pas discuter sans temps. Hein. C'est les choix, tu les assumes, tu les fais, tu essayes de faire au mieux de ce que tu as choisi de faire, et quand ça se passe mal, c'est trop facile de dire qu'il fallait faire le contraire. Hein. Ouais. Eh ben, qualification donc pour les demi-finales de Dylan Rocher, Stéphane Robineau et Henri Lacroix. Dans l'autre partie de barrage, ben, ça va vraiment très très doucement. Hein. Il y a 5-4 simplement pour Cortez Bauer Ziegler face à Nale Fasino Rizzi. Donc c'est pas encore terminé. On vous donnera tout ça hein, bien sûr sur la page Facebook de PPF. Sache Jean-Philippe que tu as battu le record de vues en direct. Donc je pense que tu vois, le fait que tu sois là. le fait que tu sois là, tu vois, attire beaucoup de gens. On est monté à plus de 6000 connectés en direct et ça veut dire en fait beaucoup plus, hein, puisqu'il y a des fois plusieurs personnes derrière les écrans. Donc on devait peut-être pas être loin des 10 000 connectés. Bon après c'est gentil, hein. Mais bon, l'affiche que vous avez proposée, je pense que. Ça y fait quand même à 90% peut-être. Moi, ouais. Nous, on n'est pas là pour grand-chose. On est bien d'accord. C'était un plaisir de commenter cette partie avec toi. Merci. Plaisir partagé. Merci à toutes les personnes qui ont regardé la partie et qui. J'ai vu beaucoup de commentaires sympas et voilà, il faut souligner quand même le travail énorme qui est effectué par certaines personnes ici, dont tu fais partie. Toute la web, toute l'organisation, la logistique, le travail. Exceptionnel fourni par Jean Casal et Pascal Marie pour bien que sûr. Nous puissions avoir cette finale PPF et voilà, c'est bravo, merci et c'est que vive la pétanque quoi. Ouais, et puis écoute, on espère se retrouver chez toi hein, cette année. On sait pas, c'est comme avec Robert, hein, on espère, on espère que tout va pouvoir se faire dans les meilleures conditions. Bon, on verra bien. Après, je te dis, nous, on a quelques petits problèmes de calendrier. Oui. On a un petit vous êtes sur un avec, week-end où il y a beaucoup, beaucoup de monde. Oui. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, la Fédé doit se poser des questions, les bonnes questions, y apporter des réponses rapidement parce qu'il y a de belles choses qui se passent et il faut essayer de les préserver. Il y a des engagements qu'il faut respecter. Il y a des gens qui travaillent beaucoup, beaucoup, beaucoup pour faire des beaux événements. Je pense que nous, Ajaccio, ben, voilà, c'est un peu difficile pour moi de le dire, mais je vais quand même me lâcher un peu, je vais le dire. Je pense qu'on fait un bel événement,
qui moi, mérite qu'on s'y intéresse, qu'on y accorde au moins un petit peu de considération et de respect. Et voilà, après, il y a une situation sanitaire, il y a une épidémie qui fait que c'est compliqué pour tout. Il y a des choses bien plus importantes que la pétanque. Bien sûr. Il faut raison garder, il faut pas non plus tout mélanger, tout confondre. Il faut prendre du recul par rapport à beaucoup de choses, mais quand le moment viendra, il faudra que tout le monde s'assoie autour d'une table, se pose les bonnes questions et essaye de faire en sorte que la pétanque puisse continuer d'évoluer, puisse avancer. Moi, je pense qu'il y a la place pour tout le monde. Je suis pas quelqu'un d'idéaliste qui pense que tout le monde est beau et tout le monde est gentil, pas du tout. Mais je pense que dans les boules, on a une pratique, un sport qui est accessible à tout le monde, qu'on soit jeune ou moins jeune, qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, qu'on soit... Voilà, il y a des champions, il y a des gens qui ne sont pas des champions, il y a des gens qu'il faut respecter quand même si ce ne sont pas des champions, et je pense qu'il y a une place à faire à tout le monde et que tout à chacun peut s'exprimer dans ce monde-là, peut s'épanouir, peut y participer, peut jouer. Mais pour cela, il faut que les gens qui sont aux responsabilités les prennent, les assument et qu'on essaye d'avancer. On est d'accord avec toi, hein. Tu sais que nous aussi à PPF on essaye de faire au mieux pour faire avancer, pour que les joueurs puissent profiter de belles étapes comme chez toi, comme chez Robert, comme toutes les étapes du PPF. Mais c'est vrai que cette année il y a quelques soucis de calendrier avec des week-ends trop chargés et qui posent des problèmes, hein, forcément. Pour les organisateurs, pour les joueurs, pour tout le monde. On espère que ça va se régler. J'espère qu'on sortira très vite de cette situation qui est angoissante à tout point de vue, qui est lourde de conséquences au niveau économique, au niveau moral, au niveau sanitaire. Il y a des gens qui travaillent des heures et des heures. Je discutais avec des gens qui travaillent dans le médical et qui n'ont plus de congés depuis près d'un an et qui travaillent beaucoup. Donc il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui décèdent, il y a des familles qui sont endeuillées, il y a des gens qui sont en train de perdre leurs affaires, de se poser beaucoup de questions, qui souffrent moralement. Donc il y a beaucoup de choses à prendre en considération. Nous, notre engagement, notre rôle, notre but, c'est à travers la pétanque. Donc on parle de ce qu'on aime, on parle de ce qui nous intéresse, on parle de ce qu'on connaît. Ça ne nous empêche pas de prendre en considération tout le reste, et c'est évident. Mais quand on parle de pétanque, aujourd'hui, il faut qu'il y ait une refonte, je pense, du système, qu'il y ait des tours de table, qu'il y ait des échanges, de la communication. Et si on fait ça, peut-être qu'on ira sur un chemin meilleur, un chemin commun, une voie de raison qui permettra à la pétanque de continuer de se développer, d'avancer. Écoute, on va être optimiste. Ouais, hein, il faut. Il faut, parce que sinon, si c'est dur, on ne fait plus rien, on arrête tout. Et voilà, donc on va être optimiste, on va espérer se retrouver cette année un peu plus que l'année dernière. En tout cas, écoute, on vous accueillera. Tu le sais avec beaucoup de plaisir. Et on espère y être. Et voilà, écoute, on verra. Ouais. Allez, avant de se quitter, voyez le programme de demain. Donc, ça sera peut-être un petit peu avancé, hein, à partir de 9h, je pense, plutôt pour les demi-finales. Donc, nous, sur la Web TV, il n'y aura que deux parties le matin. Hein, les demi-finales de la grande finale dames et toutes les autres parties seront captées par la chaîne L'Équipe. En différé, ce sera diffusé à partir du 6 février. On vous en reparlera. Merci Jean-Philippe. À demain en direct sur la Web TV PPF à partir de 9h. Bonne soirée à tous et à toutes. Merci à toi Vincent. Bonsoir à tous.